Si vous êtes un fan de My Little Pony, vous allez adorer cette idée géniale. Parfaite pour les fêtes d'anniversaire ou tout simplement pour un petit plaisir, Miam et Miam vous montreront comment les réaliser dans le confort de votre foyer. Alors, c'est parti ! La tarte au matcha de Miam et Miam est un régal pour tous les amateurs de matcha. Elle est faite de matcha japonais de catégorie A et d'une ganache au chocolat riche et crémeuse. Ça convient à toutes les occasions. Alors, c'est parti ! La Kinder Bueno Cup de Miam et Miam est un dessert parfait que vous pouvez préparer en seulement 5 minutes, parfait pour quand vous cherchez à préparer quelque chose de rapide et délicieux. C'est un dessert parfait. Pour le préparer, vous aurez besoin d'un Kinder Bueno, de crème à fouetter et de quelques autres ingrédients. Alors, c'est parti ! Thank you.
Miam et Miam vous propose une recette facile de mousse au chocolat blanc pour une gâterie étonnamment délicieuse qui n'est pas seulement parfaite pour la Saint-Valentin, mais pour tous les jours. Sa texture crémeuse et fouettée plairait à tous. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la crème fouettée épaisse et chaude, des pépites de chocolat blanc, de la gélatine florale, de l'eau, du sucre, du lait condensé, de la gélatine, du colorant alimentaire rose et du colorant alimentaire blanc. Alors, c'est parti! Miam et Miam vous propose le Shine Muscat Cheesecake, un gâteau au fromage fait de raisins muscat frais et de gélatine à la pêche, parfait pour vos brunchs. Il s'agit d'un gâteau au fromage sans cuisson, fait de purée de biscuits, de fromage à la crème, de beurre fondu, de sucre, de yaourt, d'extrait de vanille, de gélatine, de crème à fouetter, de raisins muscat et d'une boisson aromatisée à la pêche. Alors, c'est parti ! Thank you.
Miam et Miam vous propose une mousse au chocolat riche mais légère et moelleuse. Dans cette vidéo, nous vous montrons non seulement comment préparer une mousse au chocolat classique, mais aussi trois façons élégantes de la décorer. Alors, c'est parti !
Miam et Miam vous propose la recette ultime de gâteau d'anniversaire avec des couches sombres roses et violettes, un arc-en-ciel coloré et une jolie licorne. Transformez un simple gâteau d'anniversaire en un gâteau magique à l'aide de cette idée de décoration de gâteau de licorne. Tout ce qu'il vous faut, c'est du colorant alimentaire, de la crème au beurre italienne et du fondant pour faire la licorne. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, c'est parti! Transformez votre fête au bord de la piscine en une fête de rêve avec ce magnifique gâteau flottant licorne, cuit à la perfection avec Miam et Miam, en utilisant des ingrédients simples comme la pâte à gâteau, l'œuf, l'huile, le lait, le colorant alimentaire, la crème au beurre et le fondant. Alors, c'est parti ! Il n'y a jamais trop de chocolat. Cuisons une tarte au chocolat à triple couche avec des ingrédients simples et ce ne sera rien de moins qu'un délice à chaque bouchée. Miam et Miam vous montreront comment faire. Alors, c'est parti !
Un cheesecake aura toujours le goût de l'amour, surtout s'il s'agit d'un Red Velvet Zebra Cheesecake. Miam et Miam vous propose la façon la plus simple de satisfaire vos envies de sucré en créant ce cheesecake, composé de couches d'Oreo, de fromage à la crème, de mousse rouge et garni de cerises au barrasquin et de crème fouettée. Alors, c'est parti! Miam et Miam vous propose 3 superbes dessins de gâteaux pop de princesse Disney. Nous vous montrerons comment réaliser les motifs princesse Ariel, Jasmine et Blanche-Neige avec des ingrédients simples comme le gâteau, le chocolat blanc, le colorant alimentaire et le fondant. Alors, c'est parti !
Miam et Miam vous apporte la pochette de crêpes tiramisu qui est une solution à vos envies de minuit. Des crêpes délicates remplies de mousse au mascarpone et de gâteaux au chocolat font toujours un régal. Tout ce dont vous avez besoin est d'œufs, de sucre, de café en poudre, d'extrait de vanille, de sel, de lait, de farine à gâteau, de fromage mascarpone, de crème à fouetter, de gâteaux au chocolat et de cacao en poudre. Alors, c'est parti ?